C'est l'histoire d'un homme ou d'autre chose. Cela importe peu de mon récit qui commencera ci-dessous à la fin de cette grille d'accord. Les mésaventures d'un chanteur populaire mis à mal dans la capitale. À la fin du mois d'août, une nuit, il faisait si doux. Dans les faubourgs que notre homme se gourre, je ne sais où. C'est alors que devant lui, de solutions possibles pour rentrer, sauf et sain dans sa garçonnière. Parlera d'une lumière lointaine dans la ruelle où des chats crasseux s'égorgent comme l'on égorge une jeune brebis. El cantador popular s'engage dans cette artère obscure sans être sûr que la mort n'est pas en son sein. Oh oh. Dès lors qu'il a pénétré entre les hautes bâtisses, resserré le froid, l'envahit le venin de la frousse, le parcourt dans tout son corps, plus un bruit alentour, même les félins s'en sont allés, seuls des yeux dans la pénombre le surveillent silencieusement. La lune s'est voilée de ses draps nuageux, sombre de gris et le long des pavés, un filet d'eau sale ruisselle incertain. Ah, de rechef, les yeux surgissent de nulle part et renversent notre chanteur qui s'éclate le crâne. Le sang se répand rouge sur la pierre étrangement. Une petite fille fraîche et farouche m'apparaît, ses yeux sont clos et sa peau est immaculée par la blancheur innocente. Elle tente de déposer un mouchoir contre ma plaie béante, mais une ombre soudainement la tranche en deux. Ah! Effarée, je déguerpis sans demander mon reste à cette chose, la queue entre les jambes, avec une traînée de centaines de fumées s'échappant d'un paquebot. Ma vision se brouille, les formes je ne vois plus, je n'ai plus une goutte d'hémoglobine, alors je mets